Bonjour à toutes et tous, et oui, ça y est, il est là, Tekken Tag Tournament 2, l'édition We Are Tekken, je l'ai, on est le 13 septembre, un jour avant la sortie, je l'ai, voici la boîte, elle est belle. Et on va donc l'ouvrir et voir ce qu'il y a dans cette version collector, qui est assez compacte, hein, moi j'aime bien ça, ça prend pas 15 tonnes pour les ramener. Donc on a une belle boîte métallique avec Jin et Kazuya, et de l'autre côté, on a Lily et Nina, vraiment très très beau boîtier métallique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Donc normalement deux disques, le premier c'est le jeu, il est dans la console. Deuxième c'est un DVD sur les coulisses du jeu à Tokyo, etc. Et les notices, et donc le Online Pass, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard là dans cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau là-dedans? L'OST, la sublime double OST, carrément rien que ça. Toute l'OST, plus un CD de remix, vous voyez la setlist qui est plus que conséquente, hein, là, pas de foutage de gueule. Et enfin, l'artbook The Art of Tekken, un artbook tout en anglais, certes, mais un artbook de grande, grande qualité, avec donc des artworks, mais aussi donc les fiches des personnages, et ça, c'est vraiment super. Ouais, vraiment. Et on enchaîne donc avec tout ce que la préco me donnait. Donc on voit l'arène Snoop Dogg, une jupe pour Lily, un pack de maillots de bain, le jeu Tekken. Ça, le jeu Tekken, je m'y attendais pas d'ailleurs, dans toutes les langues. Un thème dynamique et donc le pré-order pack des personnages. Donc là on enchaîne tout de suite là sur la cinématique pour vous parler un petit peu justement du Online Pass. Donc c'est un Online Pass un peu à la Battlefield et tout. Si vous voulez jouer online, il vous faut donc ce pass. Mais c'est un pass lié à la console et non au compte. C'est-à-dire que si sur votre console vous jouez avec le petit frère, la petite soeur, enfin bref, que chacun a son compte. Tout le monde pourra jouer online. C'est lié donc à la console, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des DLC, de tout ce que vous avez vu là juste avant là, les maillots de bain, les persos en plus, l'arène de Snoop Dogg, il faut savoir que tout ça, même si vous achetez la version normale demain, dans 10 jours, dans 2 mois, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir gratuitement. Et ouais, quand on voit Street Fighter Cross Tekken développé par Capcom où il fallait lâcher 20€ pour les 12 persos supplémentaires, hein, foutage de gueule alors qu'ils étaient déjà sur le disque en plus. Hein. Là par exemple, moi j'ai Kunimitsu et True Hogger qui sont les persos de l'édition de chez Micromania. Chez Game, les gens ont Angel et Mitchell. Et ben Angel et Mitchell, je les aurai plus tard. Il n'y a pas de date hein, par contre là-dessus, on n'a pas de date encore. Mais on sait qu'on les aura et vous les aurez aussi si vous achetez le jeu. En contrepartie de l'argent dépensé pour le Online Pass, j'ai envie de dire. Puisque quand vous achetez le jeu, le prix du Online Pass est inclus dans le prix du jeu. Et si vous achetez le jeu d'occasion, il faudra réacheter un Online Pass si celui-ci a été utilisé. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très appréciable, tant le Online Pass partagé que les DLC qui vont être proposés gratuitement. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement, je vais découvrir le jeu avec vous. Moi je l'avais lancé juste une fois avant pour rentrer justement ce fameux pass. On va fighter, on va combattre. Je vous laisse la fin de la cinématique qui est très très classe justement avec Angel là qu'on voit qui affronte True Hogger. C'est parti pour de la baston. Voilà, nous y sommes, nous voilà in-game. Alors, vous voyez en bas, j'ai 5 victoires, une défaite. J'ai dit que c'était la première fois que je lançais le jeu avant, j'ai juste rentré de l'online code. En fait, j'ai eu un problème avec la première vidéo que j'ai tournée, un problème de son. Et donc voilà, je suis obligé de retourner. Donc j'ai fait, dans ce que vous ne verrez jamais, on va refaire un peu la même chose, on va aller voir un peu le mode personnalisé, vous allez voir le shopping en gros, et le roster au passage, hein. Donc vous allez voir on va choisir un personnage, vous allez voir que là donc j'ai mes deux persos, les persos Micromania on va les appeler, donc Hogger et Kunimitsu, et de l'autre côté là où il y a les deux cases vides c'est Angel et Mitchell. On peut avoir chez Game et qu'on aura après nous, que tout joueur achetant le jeu aura gratuitement. On va aller voir un peu donc le shopping, on va prendre Azuka, moi je joue généralement Azuka, donc
on a les deux tenues par défaut. Pour Lily, on a la tenue que j'avais en cadeau apparemment aussi avec la préco. Ça, je sais pas si les gens après avec la version normale l'auront. Mais voilà, donc il y a deux tenues et on va retourner sur Azuka. Et donc on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a 10 slots où vous pouvez créer le personnage avec le style que vous avez envie. Et vous allez voir que niveau stuff, bah, il y a de quoi faire. Hein, les oreilles de lapin, oui, ils font insuffisant, je voulais pas. Mais voilà, donc je peux voir. Voilà. Voilà, donc c'est assez amusant. Alors, ils ont fait un. Il y a un bouncing boobs là, c'est. C'est rude, les mecs, hein. Vous m'avez pas habitué à ça, hein. C'est du DOA style là que vous me faites là. Mais bon, on va pas faire les vieux jeux, hein. C'est pas déplaisant non plus. Donc il y a pas mal de catégories, les lunettes, les trucs habillés, les hauts, le bas. Où est-ce que j'avais vu la. Le. Non, je suis avec l'arc artistique, donc des fois je merde un peu. Je cherche. Oui, il y avait le haut de super-héros qui me faisait rire, mais il y avait. C'est peut-être plus. Voilà. Après, bien sûr, on a le. Des trucs à la con, mais alors vraiment à la con. Regardez ça. Le bouclier ours, donc je vais vous montrer ça. Voilà, tu vois, grâce à la visionneuse, hein, on peut voir. On peut incliner la caméra comme on veut, donc ça aussi c'est chouette. Ça s'achète bien sûr avec les gold. Vous voyez, les gold, j'en ai déjà 166 200. Et je n'ai fait que donc 5. 6 matchs. 5 victoires, 1 défaite. Donc l'argent rentre assez rapidement. Bon, vu le prix du truc, c'est pas plus mal. Mais bah, vu qu'il n'y a plus de mode story, c'est uniquement en combat. Donc le labo, c'est là, c'est la nouvelle option avec Combot, qui était le robot de Tekken 4, qui était un nouveau perso en Tekken 4. Et donc Combot, vous pouvez un peu lui donner le style que vous voulez, lui mettre les attaques que vous voulez, etc. etc. Et ça sert aussi un peu de tuto. Entre guillemets, même si c'est un tuto un petit peu léger de ce qui paraît, j'ai pas été voir. C'est pour ça que je vous ferai une autre émission plus en profondeur, j'ai envie de dire, où je vais vous montrer des trucs plus techniques. Là déjà on voit les menus, hein, les menus du solo qui sont déjà sympathiques. Bon, j'ai pas perçu, c'est pas activé, équipe de 2, le pair play n'est pas activé non plus parce que bah, là je joue tout seul. Il y a le online, hein, bien sûr, hein, bien sûr, les matchs online, machin et tout. Si on passe online, il n'aurait pas intérêt. On va aller en arcade tout de suite, on va aller faire des combats d'arcade, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va faire en tag, puisque bah on est sur. On pourrait faire du solo, hein, du classique, on a le choix, on va faire du tag. Et puis je vais prendre bah, mes persos favoris, c'est-à-dire Azuka Kazama, et puis bien sûr sa mère, qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans, depuis Tekken 2. Donc ça fait super plaisir de retrouver comme ça des vieux persos. Alors il y a le truc avance rapide que je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas vraiment compris. Ah, nous voilà face à. Dans la prochaine vidéo, j'étais déjà face à Oji-san. Et Oji-san qui joue Wang Jinrei, le vieux Oji-san, si je me souviens bien en japonais, c'est bah. C'est la formule pour dire l'ancêtre, enfin le vieux, mais assez poli. Hein. Une chance de promotion encore, oui. Alors oui, il y a les promotions à la Tekken 6 hein, qui sont restées. Les loadings, vous avez vu, sont beaucoup plus rapides. Graphiquement. C'est beaucoup plus beau que ce qu'on avait dans Tekken Hybrid. Hein. Il y a un vrai lissage et tout. Il n'y a plus le flou. Ça scintille encore un peu, mais rien de bien gênant. On est sur de l'arène qui, à la DOA, peut. Oh ouais, ça commence bien. Peut être détruit. Hein. On peut descendre à des étages inférieurs, etc., etc. Donc ça c'est chouette. Ah bah tiens, un petit trophée pour le perfect. Hop, du juggle, ça comme. La base de Tekken, hein, pour ceux qui ne comprennent pas encore ce qu'est le Juggles. Un petit combo des familles, parce que voilà, c'est. Ça m'a énervé de louper la première vidéo, donc là je me déchaîne. Tiens, hop là. J'ai en plus encore fait un succès. On va appeler June. Alors regardez June. Regardez sa tenue. Alors on voit pas très bien. Et en fait, de l'autre côté, les trucs noirs, ce sont des oiseaux qui s'envolent. C'est magnifique. Franchement, c'est. Regardez-moi, c'est sublime. Donc la mère et la fille, c'est très très chouette. Donc est-ce que j'ai dit qu'il y avait 25 arènes? Je sais même plus ce que je dis, mais en tout cas donc il y a 25 arènes, des nouvelles, des anciennes. Dragunov, très militaire, dites-moi dans cette nuit. Ouais, des nouvelles, des anciennes. Oh, le Devil Jin avec son béret, quoi. Ah, c'est lamentable. Mais c'est génial, c'est. Voilà, le gameplay est très très bon.
Évidemment, en tant que enfin, j'aime pas me considérer comme fan. J'adore Tekken, mais je suis pas fan de quelque chose. Mais j'aime les choses qui m'amusent, qui me font plaisir. Tekken me fait plaisir. J'aime jouer à Tekken. Et donc, de manière très objective, hein, c'est-à-dire, je vais pas justement faire mon fan, comme je disais. De manière très objective, est-ce que ce TTT2, Tekken Tag Tournament 2, habituez-vous, parce que dans les prochaines vidéos je vais dire TTT2 à chaque fois, est-ce que ce Tekken Tag 2 est bien pour le mec qui connaît pas Tekken? Oui, parce que ça reste du Tekken, ça reste du. Si vous faites du smashing button, c'est-à-dire que vous appuyez sur tout, vous allez sortir des trucs et avoir l'impression de faire des trucs de dingo. Et. Puis bah, les vieux routards comme moi, les vieux briscards qui jouent à Tekken depuis la sortie du premier à Noël 1996, si je me souviens bien, sur PlayStation première du nom, vous allez découvrir une palette de coups qui a été étoffée, redécouvrir des vieux persos comme là avec June par exemple. Hein. Et ça c'est vraiment chouette. Et puis bah, il y a le multi online, le multi local bien sûr aussi pour les soirées, les après-midi entre potes, ça fait toujours plaisir. Et donc, online aussi parce que. Oh putain, mais au secours, qu'est-ce qu'il y a sur la tête? voilà, Tekken Tag Tournament 1 n'avait pas de online. Hein. C'était PS2, ça a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Donc là, ça fait super plaisir. Et puis il y a plein de possibilités de tag attack. Je sais pas si on va en voir là. Dans la précédente vidéo, on avait vu pas mal. C'est pas moi qui vais les faire parce que je ne sais pas comment on les fait en fait. Je suis désolé. En tout cas, là, ça me permet de voir qu'il y a vraiment. Voilà, les 25 arènes sont vraiment pas mal. Et là, je viens de faire le con. J'ai même pas changé de perso. Je viens de perdre un round bêtement. Ah, bah en plus, c'est une chance de promotion. C'est peut-être pour ça que c'est un peu rude là. Hop, on va faire venir June. J'essaye de me concentrer, hein. Faire un truc quand même assez sympa parce que sinon. Déjà que ça me fait chier de la refaire la vidéo. Pas que le jeu me fait chier, mais parce que bon, voilà. Il y a moins cet effet de surprise que j'ai eu tout à l'heure quand je l'ai fait, mais bon. Bien obligé, histoire de me proposer un truc avec un son de qualité. C'est de ma faute, j'ai pas été assez vigilant avec mon micro qui porte très, très facilement. Alors, une petite chop là. Hop. Est-ce que je peux lui faire un petit contre? Voilà, un petit contre, voilà, hop là. Il a essayé de me taper quand je faisais ça en fait. Ça c'est les contres. Par contre quand je l'ai fait, voilà, je suis obligé de rester immobile. Ouais. Donc là, si je peux être pénalisé, s'il me tape en bas, je l'ai dans le fessier. Voilà. Donc ouais, le gold, hein, ça tombe vachement plus que le mode combat Tekken 6 vu qu'il n'y a plus le story mode. Donc c'est vrai qu'on rentre vite dans ses frais, j'ai envie de dire, pour acheter et profiter vite fait de la boutique. Alors, Armor King, Nina, je ne les ai jamais affrontés. Je sais pas ce que ça a donné. Donc franchement, oh non, mais c'est quoi ces tenues? Franchement, ouais, il est génial. Oh, c'est joli! Ah bah, même si je suis énervé par le fait de devoir retourner parce que j'ai merdé avant... là je découvre des trucs et tout, ça me fait, je trouve vraiment c'est super. On est toujours dans ce côté un peu humour à la de Tekken, mais il y a toujours ce... Oh le Père Noël là-bas avec ses rennes. Et ce côté un peu bah, brutal du combat quoi, mais ça, j'adore, c'est ça que j'aime dans Tekken, ça se prend pas au sérieux. Tiens, je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait. J'aimerais bien qu'il me fasse une tag attaque ou que je vous en fasse, mais moi, enfin faut pas... Faut pas se leurrer, moi les tag attaques je sais plus faire. T'as une petite chop. Ah mais le Armor King, il a une pure truc sur la... Il a sa rose et il a un truc sur la tronche, je sais pas ce que c'est. Donc je pense que j'ai fait grosso modo le tour là des bases, des menus et tout. Hein. Après vous avez vu, vite fait, vous avez vu par vous-même la galerie, le truc des, pour changer les musiques et tout. Donc c'est plutôt... oh putain. Le jeu est vraiment très très complet. Il a pas eu 38... non, 39 sur... Ah, qu'est-ce que c'est? Attendez.
Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oh merde! Alors ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est super. Je sais même plus ce que je voulais vous dire, ça m'a complètement perturbé cette affaire. Je ne sais plus, je sais pas si ça me revient. Je sais plus de quoi je parlais, ça fait chier. J'essaye de me souvenir tout en essayant de jouer. Attends, mais Chahut, pareil, c'est quoi? C'est Franck Pirin, je suis en train de me faire dominer, mais un truc de ouf. Voilà. Bande son toujours excellente, hein. L'OST est vraiment génial. Hop, voilà, une petite chop. Et ouais, je pense que j'ai fait grosso modo le tour, ouais. La custom, c'est vraiment... La custom est vraiment classe. Je sais pas qui est le boss. Tiens, pourquoi Anna est toute seule, ça, je ne sais pas. Disciple. Oh, je sens que je vais morfler. Je sens que je vais dérouiller. Waouh, et classe. N'hésitez pas à regarder le film Tekken Blood Vengeance. Qui est un peu une espèce de préquel entre guillemets, j'ai envie de dire, de... Oh, pff, je me fais dominer, waouh. Une espèce de préquel du jeu. Donc c'est un film qui se trouve en DVD. Donc c'est un film en image de synthèse, hein. Je parle pas du vrai film qui lui est une honte, hein. Je suis désolé Namco Bandai, mais le film avec des vrais acteurs est une bouse ultime. Pour tout fan, voilà, c'est de la merde. Par contre le film donc en image de synthèse Blood Vengeance est super, moi je l'adore. Et donc il est disponible en DVD Blu-ray et sur la compile Tekken Hybrid que je vous avais montré en fait dans la précédente vidéo avec Tekken Tag Tournament 2 Prologue. Enfin, l'autre elle vient de me contrer une chope cette salope. Oui, un peu de vulgarité ne fait pas de mal, mais c'est normal parce que je joue, je suis dans le feu de l'action. Je suis concentré et le jeu est tellement bien. J'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs de quoi je vous parlais tout à l'heure quand j'ai été déconcentré par la boxe. Et puis bah en faisant le montage je vais me dire ah mais oui mais quel idiot. Mais bah au pire je reviendrai dessus pour la... Oh Jinpachi putain. Ouais c'est ça les boss. Ouais je reviendrai sur les détails plus tard hein, une prochaine vidéo donc plus technique, plus axée sur... sur d'autres choses. Hein. On verra un peu le jeu. Une approche web. Comment dire. Montrer certains persos, montrer quelques coups, quelques trucs utiles. Et puis des tags attaques aussi. Histoire de faire un truc un peu plus impressionnant. Là ça reste quand même de la découverte. Hein, même si j'avais tourné tout à l'heure. Le jeu, voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu cet après-midi. J'y ai joué en rentrant vers 17h. Et puis basta quoi. Là il est. Il fait toujours jour donc pour vous dire, hein, il est pas tard. Tiens, pense à Jinpachi. Jinpachi, boss de Tekken 5 qui était... Oh ah là, hein. Jinpachi, je lui aurais bien désingué la gueule, mais il était tellement dur. C'était un Godrugal-like, c'était le truc inapprochable. Ça... Ah, si c'est eux les boss, je vais les matraquer. Quoi. Donc il y a des gars sur des versions pirates du jeu, les gars, c'est franchement pas cool. Quoi. Mais enfin bon, ils ont réussi à voir qu'il y avait des persos cachés. Oh, d'autres persos cachés, notamment le docteur Boskonovich, Violette qui est une variante de Lee. Oh putain, jolie prise contrée. Par contre, celle-là, tu la contre pas. Et Unknown, le boss de Tekken Tag Tournament 1. Est-ce que ce sera des DLC gratuits? J'espère. Est-ce que c'est des persos à débloquer? Ça serait encore mieux, comme à la bonne époque. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est vrai que le doubleur de Heihachi a... Ah, Ogre. Le doubleur de Heihachi a changé, puisque bah, le doubleur officiel qui était là depuis le premier est décédé en 2010, malheureusement. Donc voici Ogre. C'est lui le boss? Ah, ça change du Ogre de Tekken 3. Hein. Il est bien changé depuis 99. Voilà, ça va parce qu'au moins Sidebox est clair, c'est pas comme Azazel dans Tekken 6 où on ne savait jamais si on lui tapait dessus ou pas. Il est pas over-cheaté niveau dégâts. Je vais par contre changer et prendre Jaune, voilà.
Viens là, Jun. Alors, c'est un petit peu dommage que là, on n'aura pas vu Tag Attack dans l'autre vidéo, par exemple. Il y avait l'équipe adverse qui avait chopé Azuka et qui voulait lui faire une Tag Attack. Et Jun est venu m'aider au moment où ils m'ont attrapé. Elle est venue me pousser pour pas que je me prenne le coup. C'était, y a vraiment des Tag Attack de soutien qui sont très très chouettes. C'est chaud là. Non mais il a plus de vie. Ah, il se régène, ok. Il se régène sur la Common Known. Ce qui est rouge peut se régénérer. Et il se régène là-dessus. Vous voyez, j'enlève de la vie, il y a le rouge qui remonte. Hop là, un petit contre-agressif là. Joli, joli. J'essaye de le chain. Hein. Le but c'est que... Voilà, tac. Lui, on ne fera pas de tag attaque parce qu'il est tout seul. Hop. Merde, merde, merde. Ah, j'y ai cru, perfect, j'y ai cru. J'y ai cru. Je me cache pas. Ah là 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 là. Non, non. Ah, j'ai tenté le combo. Ah là là, non, 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 vite, 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 June, June. Merci, June. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je suis tombé. Ok, on est bon. Eh ben, hey, je crois que j'ai fini le mode arcade, les gars. Dans un sens, j'ai bien fait de retourner, mais si on n'a pas vu Tag Attack. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas fini? Va vers la lumière. Trop Ogre, regarde. Oh! Au-dessus, c'est le soleil, vas-y. Que se passe-t-il après? Quoi? Alors là, je ne comprends pas, les gars. Alors là, je découvre totalement. Wouah, c'est June, ça? Je vais aller chercher ma June. Je me fais dominer. Mais sévère, quoi. Wow, 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 le contre. Wow. Je me fais déchirer. Désolé, je parle plus trop parce que je sais pas trop ce qui se passe, je comprends pas bien et tout. Mais c'est super cool là, disons. Waouh. Ah, chier. Balèze, balèze, balèze. Elle est en mode over balèze. Hein. J'aimerais bien appeler June. Waouh, putain. Je sais pas si le costume exotique qu'elle a, l'autre June, mais... On y est presque. Elle garde comme une malade. Waouh, waouh. Non, non, putain, quel con, pourquoi? J'ai de la marche, ça passe, mais bloque. C'est chaud, c'est... Ouf, oui. Oh, elle m'a l'air bien corrompue, la June, là. On savait pas ce qui lui était arrivé depuis Tekken 2. Ah, voilà, c'est unknown. C'est unknown, putain. Waouh, waouh, par contre là je dérouille, il a fait mal l'unknown. Waouh, 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 waouh. Encore fait des trucs. Oh là, je suis tout souillé, qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas tout ce qui se passe, hein, les gars. Je vous assure que là, là c'est de la bonne découverte comme je les aime. Je suis content de vous montrer ça. Je martèle mon pas d'arcade et là, voilà, oh là, j'ai perdu. Et voilà, et voilà. Et ben, on va s'arrêter là-dessus, vous verrez pas la fin. Et puis, ben, on se retrouvera donc très vite pour une autre vidéo plus technique. Et ben, à la prochaine. Allez, ciao!